intéressant. Tes raviolis. Pourquoi on s'arrête tout le temps? Ah! Le temps qu'on ait fini, je serai aussi vieux que toi. Alors ça, c'est méchant. Et en plus, tu dois apprendre à prendre ton temps, Ben. Tu profites mieux de la vue si tu vas à une vitesse raisonnable. Eh ben, moi, j'adore les visites à grande vitesse. Et je connais justement l'alien idéal pour ça. Ton téléphone? Avec l'appli que Phil a conçue, je peux appeler mon buggy quand je veux. Hé, hey, pourquoi tu fais ça? Ben, tu ne peux pas faire venir un de tes aliens sur la grande muraille. Elle a plusieurs siècles, tu pourrais l'abîmer. Oh, d'accord, mais vous allez si lentement que vous pourrez jamais voir toute la muraille. Et moi, je voudrais tout voir. Tu crois que Ben sait que la muraille fait plus de 8000 km? J'imagine qu'il va s'en rendre compte. Je suis sûrement bientôt arrivée au bout. Mais c'est pas vrai, ce mur fait le tour du monde ou quoi? Attends, grand-père, je crois qu'ils installent des feux d'artifice. Oh, heureusement qu'on a pris notre temps. Oh, je me demande si Ben peut les voir. C'est nul, j'aimerais bien avoir le buggy en ce moment. Personne veut que je m'amuse. Ça, c'était rapide. Oh. Wow, c'est la voiture la plus cool que j'ai jamais vue. Hey. Merci, petit, t'as bon goût. Toi? Ah ouais, vinétanol en chair et en os. T'es pas censé être en prison, tu t'es évadé? En prison, non, j'ai juste fait des travaux d'intérêt général. Oh, et tu les as terminés? Bien sûr que j'ai terminé, ma communauté c'est comme une famille. Et pour moi, rien n'est plus important que la famille. On dirait pas une attitude de méchant. Si tu veux toucher à ma voiture, fais-toi plaisir. Une belle voiture, c'est aussi un membre de la famille. Elle a une carrosserie en fibre de carbone résistante à la chaleur, suspension à poussoir avec barre anti-roulis et un réservoir de secours plein de mon E100 spécial. Ça, c'est une spécialité familiale. Elle a un moteur V12 à double turbo. En gros, ça fait beaucoup de mots pour dire qu'elle va vite, c'est ça? J'ai mis beaucoup de travail et de patience dans cette voiture. Tu peux en construire une et la finir quand tu seras assez vieux pour la conduire. Je vais te montrer comment on change un pneu. Tu pourras pas comprendre l'ivresse de la mécanique tant que tu ne seras pas salé un peu les mains. Wow! Hé! Hey, j'ai réussi! Beau travail, petit! Ouais! Tennyson, comme c'est intéressant de te trouver ici! La grande! Qu'est-ce que tu fais en Chine? Je suis surpris que ton ami tatoué ne t'en ait pas informé. Aujourd'hui, Vin, Ethanol et moi-même allons faire la course pour sauter au-dessus de la grande muraille. Nous partirons d'ici. Nous suivrons la route à flanc de colline. Nous contournerons ce charmant petit village. Nous repasserons par la forêt. Et enfin, nous tenterons le grand saut au-dessus de la grande muraille de Chine. Oh, waouh, c'est carrément méga cool! Mais de toute évidence, je ne peux pas vous laisser faire ça. Mais c'est quand même méga, méga cool! Tu comptes nous en empêcher? Essaie un peu pour voir. On se retrouve sur la ligne de départ, Ethanol. Vin et moi, on va t'arrêter! Vin, oh, s'il te plaît, pense aux travaux d'intérêt général! Bon, d'accord, je vais me débrouiller tout seul. Maintenant que le mioche n'est plus dans nos pattes, on va pouvoir s'amuser! Oh, c'est quoi ça? Je reviens, mon ami. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Ils sont deux, maintenant. Et c'est parti. Oui! Je devrais être en colère, mais ils sont si cool! Deuxième round, accélère! Oh non, la montre n'a plus d'énergie, mais il me reste encore le buggy!